vous vous levez et vous vous taisez. Et vous captez l'attention de la salle. La voix, elle révèle qui nous sommes, elle parle de notre histoire personnelle, de nos émotions. L'émotion, c'est la mélodie de la voix, donc il faut l'aménager, il faut qu'elle soit présente. L'éloquence, pour moi, c'est vraiment le fait d'incarner sa parole. Il n'y a pas de baguette magique, par contre, les personnes qui sont les plus éloquentes sont celles qui ont continué à travailler à partir de quelque chose qui était de l'ordre du don. Jacques Brel dit...